Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on va ouvrir la otaku du mois d'octobre. Donc, on se retrouve tout de suite après générique pour découvrir ça ensemble. Nous retrouvons un petit cachapon de Pokémon. Donc, ah non, c'est une balle. C'est une petite balle de Pokémon. Donc, je sais pas, une boule anti-stress apparemment. Ouais, je croyais que c'était un cachapon, mais non, pas du tout. C'est une petite balle en mousse. Ouais, je crois qu'elle va finir dans la chambre de ma fille, pour le coup. Donc, voilà pour le premier item. On continue ensuite avec une mystery, je crois, de One Piece. Donc voilà pour l'emballage. Donc on va l'ouvrir tout de suite. C'est scotché. Pour un aussi petit truc. Alors nous avons. Oh! C'est mignon. Je vais scotcher aussi à l'intérieur. Donc voilà le petit. Non, rien ne s'est rien passé, rien n'est tombé. En fait, il se pose juste sur le socle, ça ne tient pas, donc ça bouge un peu. Je trouve ça plutôt sympa. Il y a beaucoup de détails, mine de rien, sur le bateau. Donc, vous voyez, vraiment beaucoup de détails, comme vous pouvez le voir. Les finitions sont bien faites. Au niveau de la peinture également, c'est vraiment très bien fait. Je trouve ça très mignon. J'aime beaucoup. On continue avec le prochain item. Alors ensuite, nous avons ceci, encore toujours l'univers One Piece. Donc apparemment, on pourrait avoir également ceci. Qu'on va l'ouvrir tout de suite. C'est scotché de partout en fait. Petit chopper. Et lui aussi il se pose simplement. Bon, pour éviter de le faire tomber, voilà le petit chopper. Il est vraiment trop mignon. J'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment bien, bien, bien fait. Il a même un petit effet sur sa veste granuleux. Donc c'est vraiment très mignon. Les peintures sont excellentes. Vraiment bien, bien, bien faites. Donc je vous le remontre. Il est super chaud. J'aime beaucoup. Pour l'instant, je suis vraiment contente de cette box. Bon, à part la petite balle qui est bof. Sinon, on est bien parti. Maintenant, nous avons du Death Note avec ce mug. Donc, pour ceux qui le savent, je suis vraiment une grosse fan de ce manga. Je l'aime beaucoup. Et je trouve ce mug très sympa. Je vais l'ouvrir pour mieux vous le montrer. C'est gros. Ouais. Alors là, comme vous pouvez l'apercevoir, on a des règles du Death Note. Et devant, le L avec
la tête de L dans le L. Ça a vraiment bien fait. J'aime beaucoup beaucoup ce mug. Je suis plutôt contente. Vraiment très joli. Pour finir, nous avons une pop, toujours de l'univers One Piece du coup, avec Boa Hancock. Donc voilà pour le packaging, le reste de la collection à l'arrière. Donc on va l'ouvrir tout de suite pour la voir de plus près. Donc un socle. Donc voilà, une coque. Elle est vraiment très 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 jolie. Il y a beaucoup de détails sur ses vêtements au niveau de la peinture. Également ses boucles d'oreilles, elles sont vraiment bien bien faites. Là pour la peinture, je suis également contente. Il n'y a pas de débordement. Il manque pas de peinture. Donc je suis vraiment vraiment ravie. Je la trouve très sympa. Je vous laisse l'admirer de plus près. Voilà pour l'unboxing de cette box. Pour cette box, je suis plutôt ravie. Mis à part la petite balle Pokémon que je trouve un peu... Je trouve qu'elle est là juste pour remplir la box en fait, histoire de dire il y a 5 items. Mais sinon, pour le reste, je suis plutôt contente. Les petites figurines One Piece sont vraiment très sympas. Ainsi que la pop de Boa Hancock. En plus, je l'ai vue dans une vidéo de Monsieur Sa des boîtes. Et je la trouvais vraiment très sympa et du coup bah je la retrouve dans ma box, je suis plutôt contente. Le mug de Death Note aussi, je suis vraiment vraiment ravie étant donné que j'aime beaucoup beaucoup ce manga. Donc pour moi franchement c'est une belle box, je suis vraiment contente. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette box, si elle vous plaît. Si les licences qui ont été mises sont des licences qui vous parlent, qui vous plaisent. N'hésitez pas à me dire quel objet également vous avez préféré dans cette box. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager et vous abonner. Vous avez tous les liens dans le descriptif pour me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !